Yo tout le monde les amis, c'est Azerty147 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale parce que j'ai l'honneur de vous présenter mon petit bike. Voilà, c'est un Rock Rider ST530S de chez Decathlon. Alors on va faire un bike check tout de suite, voilà. Alors on va commencer par la fourche en 120 mm de débattement. Voilà, c'est écrit là de la marque Rock Rider. Et avec un amortisseur arrière toujours en 120 mm de débattement, donc du coup c'est du avant arrière de la marque Decathlon Rock Rider. Alors voilà le vélo, hein, c'est un Rock Rider du coup, voilà. On a des pédales basiques de chez Decathlon, hein, toujours qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Un dérailleur de chez Shimano. Donc c'est la bas de gamme de chez Shimano, comme les freins. Freins Shimano, voilà. C'est vraiment le bas de gamme, mais en vrai, ça freine quoi. Enfin, c'est assez. Pour la pratique, c'est bon, hein, ça c'est. Voilà. Au niveau des poignées, bas de gamme, hein, toujours. C'est que du bas de gamme, hein, toujours. Voilà. Sinon. Au niveau de la de ça là, enfin bon, comme vous voyez la caméra, c'est du 80 mm de débattement stem range, voilà. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, on arrive mon vocal. Au niveau des pneus, c'est un haute condition de chez Decathlon toujours, avec avant arrière du coup, hein. Toujours. Des pneus de chez c'est des pneus de chez Haute Condition, voilà. Sinon, donc voilà, pour je pense que c'est bon, hein. On a tout dit, ouais. Enfin les disques, ce sont les bas de gamme, hein, toujours de Shimano. Enfin bon, non, c'est pas du Shimano ça, mais en gros c'est le bas de gamme. Il y a que du bas de gamme là dedans, hein, à part la selle où c'est la meilleure gamme de chez Decathlon, du coup c'est bien. Et du coup voilà, c'était tout. Maintenant, on va passer à la version test, à la test, voilà. Du coup, on se retrouve pour la test. Ok, maintenant, après ce que vous venez de voir, nous allons du coup faire les bosses qui sont un petit peu plus vers là. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer. Hein. En gros, c'est celles qui vont être vers là, plutôt. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Sinon, mon frère Christophe, du coup, est avec moi pour cette vidéo. C'est lui qui a fait, qui tient la caméra quand je fais du vélo. Voilà, un petit peu de présentation de son VTT. Tu peux présenter ton VTT? Ok, alors, qu'est-ce que c'est? C'est un lapierre. Voyons ça un peu de plus près. Des lapierres, pédales, oui. Avec des crampons en métal. Pédale, ouais, pédale bas de gamme de chez Lapierre, quoi. Voilà. Au niveau de ton de suspension, c'est du Dehors. Dehors, je ne connais pas bien vraiment la marque. Dérailleur, désolé. Suspension, ce sont des EDG. Attends, ce sont bien les EDG. Ça, c'est un tour XCAR. XCAR. Donc, ce sont des suspensions AR. Voilà. C'est des lapières. Des freins, comment on appelle ça? Hydraulique, ouais, pas hydraulique. Pas mécanique, moi j'aime pas ça de toute façon. Ouais, freins mécanique c'est nul. Voilà, désolé. Niveau freins, ce sont les Shimano. Ce sont des Shimano normales. Hein, ce sont... Ouais, c'est les mêmes que les miens.
Ah ouais, ce sont les bas de gamme de chez Shimano, c'est les moins bien, c'est plus nul de chez Shimano. Mais c'est quand même bien. Au niveau de la selle, c'est une selle OTX. Voilà. Très bonne selle, je trouve, en vrai. Au niveau des roues, c'est les rapides Rob. Donc c'est plutôt bien. Hein, ouais. Là, il y a plutôt bien des bons crampons. Pareil avant-arrière. Hein. Moi, c'est un tout suspendu. Le sien, c'est un semi-rigide. Donc voilà, mais c'est de la bonne gamme. Hein. Je n'ai pas le prix parce que c'est pas un placement de produit. Du coup, bah, je dirais pas le prix. Voilà. Sinon, bah voilà, présentation de ce vélo. Voilà. Ok, du coup là, avec mon frère, on est en petite pause déjeuner. Du coup, au programme, on a du chocolat avec des petits pains, voilà. Du coup, et du chocolat, voilà, du chocolat blanc. Et du coup, on va se régaler. Du coup, voilà. On est sinon au bois de Kerguat, vers Landerneau. Voilà, donc si ça vous intéresse, bah, venez-y, hein, en vrai, ça peut être cool, hein. Voilà, du coup, bah, on se retrouve tout à l'heure pour la fin de la pause, hein. Voilà. Ok, alors, nos buts pour cet après-midi, voilà, c'est de réussir un saut qui va se trouver par là. Les escaliers, c'est en entier, hein, essayer. Hein, t'as voilà. Dit que je m'appelle Château les gens, hein. Voilà, yes. Voilà. Et vers là, il y a un gros saut qu'on essaiera de faire. Non, pas l'énorme. Hein. Non, le. Ouais, il y en a un où bah c'est. Ouais, faudra qu'on aille vous le montrer. Mais... On va montrer un peu. Ouais, voilà. Non, bah, tout à l'heure. Allez. Bon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker et mettre des commentaires, voilà. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est Azer 147. À la prochaine.